également. Et moi également, je me dis que si eux réussissent à le faire, moi je peux le faire. Et rien que ça, c'est bon. Je ne saurais partir d'ici sans témoigner ma reconnaissance à l'endroit de mon grand frère Valère Belias, qui a transformé ma vie à travers ses différentes actions. Et aujourd'hui, après avoir passé ces 2 jours à ses côtés, mais aujourd'hui, grâce à Valère, à moins de 3 mois, je suis à plus de 30 livres lus et résumés. Allez où je vous parle. Je m'appelle Rodrigue Douane, je suis député jeune du Cameroun. Je représente le département du Congo qui est à l'Assemblée nationale. Je suis également fondateur de la DMR Startup Academy. C'est une association qui regroupe les jeunes entrepreneurs ou alors des jeunes qui aspirent à devenir entrepreneurs. Pourquoi j'ai créé cette association? C'est parce que, étant parlementaire, ça fait 3 ans. J'étais d'abord au Parlement de l'Union africaine et lors de mes sensibilisations dans les établissements, je me suis rendu compte que les jeunes ne sont pas informés. Les jeunes ont un problème d'information. Alors, j'ai décidé de mettre cette association sur pied, d'abord pour sensibiliser la jeunesse, ensuite les former et les accompagner. C'est ainsi que dans nos différentes activités sur les réseaux sociaux, parce que je suis intéressé par l'entrepreneuriat, je suis tombé sur Valère, passant d'abord par le docteur Claudet, qui est, je dirais, la personne que j'admire beaucoup le plus dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai réalisé un de mes rêves qui est celui d'avoir pris une photo avec lui. Peut-être que ça ne signifie rien, mais pour moi, c'est un rêve que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Et Valère, justement, tout à l'heure, a pris l'exemple sur la crédibilité. Et vous avez compris que lorsqu'il a lancé son livre « Vendre comme un sniper », c'est justement avec moi qu'il a eu ce problème-là. C'est une incompréhension. C'est moi qui ai acheté son livre et puis après il a eu cette bonne information. Mais j'étais très surpris de voir que bon, quand je lui ai fait comprendre que lorsque j'ai payé, on m'a dit qu'il fallait payer les sniper. Il m'a dit « Non, il n'y a pas de souci, ne te dérangez pas. Je m'occupe du reste. J'ai même voulu payer. J'ai même voulu payer une partie des sniper. » J'ai dit « Non, ne te pas. » Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je suis arrivé à Yaoundé, pas seulement pour la formation sur l'écriture des livres. C'est vrai, ça m'intéresse, mais je suis surtout venu aujourd'hui démontrer à Valère qu'il fait un travail exceptionnel, très remarquable, parce que grâce à lui, grâce à ses vidéos sur les résumés des livres, j'ai appris à aimer la lecture, parce qu'il y a 2 ans, je n'aimais pas la lecture. Je n'aimais le français, même à l'école, je ne faisais même pas le plus français. Et d'anglais, pour moi, c'était paradoxal. Mais aujourd'hui, grâce à Valère, à moins de 3 mois, je suis à plus de 30 livres lus et résumés. Allez où je vous parle. Et les jeunes également que j'accompagne sont au moins depuis avril. Ils sont 125 exactement. Et ils ont lu minimum 20 livres à l'heure où je vous parle avec des résumés rédigés en PDF. À l'heure actuelle. Et tout ça, c'est grâce aux contenus vidéo de Valère qui m'ont inspiré. Alors aujourd'hui, Valère, je sais que je suis très petit, mais je vais te demander de même de passer pour quelques minutes. Si tu le permets, bon bref, tu vas accepter. Alors Valère, au nom de la communauté des jeunes entrepreneurs, plus précisément, les jeunes du département du monde qui m'ont envoyé ici, les jeunes membres de la DMR Startup Academy que tu as inspiré, je te remets aujourd'hui ce certificat de reconnaissance en guise de remerciement et de gratitude pour tout ce que tu fais. Merci Douane Lapel. Ça m'appartient. Ça appartient à mon équipe. Donc si vous pouvez venir récupérer ça. Justement, si vous voulez dessus, je ne vais pas poser ça à Valère. Je vais venir passer le formulateur. Justement là-dessus, c'est le logo de Agent Livre. Et le tableau a été fait au nom de la communauté Agent Livre. Si vous lisez le texte qui est dessus, ça a été fait pour Valère, mais pour la communauté Agent Livre. Je vous remercie. Gratitude.
d'habitude, la représentante de GIFCA veut faire un cadeau à Valère Méliès. Bonsoir à tous. Je suis Evelyne Campbell, ingénieure mécanicienne, promotrice de l'entreprise de surprise événementielle GIFCA. Nous faisons dans la livraison des paniers cadeaux surprises, entre autres, des bouquets de fleurs surprises. Nous organisons également des événements surprises tels que les demandes en mariage, les anniversaires surprises et autres petits événements surprises pour redonner du temps à la vie de nos proches. Alors, ce soir, je ne saurais partir d'ici sans témoigner ma reconnaissance à l'endroit de mon grand frère Valère Belias, qui a transformé ma vie à travers ses différentes actions. Et aujourd'hui, après avoir passé ces deux jours à ses côtés, je pense que je vais sortir de là, de cette expérience un peu plus grande. Et je crois que je vais trouver la force qui me manquait depuis pour développer encore mieux mon entreprise. Pour le remercier pour tout l'impact positif qu'il a eu dans ma vie, j'ai tenu à lui faire présent au nom de l'entreprise de GIFCA qui m'a aidé, dont la motivation m'est venue de lui. Je vais inviter mon associée, Madame Prudence Bondon, à venir. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je suis Prudence Bondon, que tout le monde est plus de la visibilité. Mais vous avez parlé de votre casquette. Alors, ce soir, j'ai été très émue que Evelyne Campbell me propose d'offrir ce paquet à Elias Valère. D'abord parce que depuis hier, je lui ai dit il faut donner un panier à Françoise pour aider, ça va nous rapporter. Oh, elle m'a dit non, calme-toi. Après, j'ai dit oh, voilà qu'on est nous ici, vas-y, ça va nous commencer. Elle m'a dit calme-toi, à chacun sa star. Et quand nous sommes arrivés aujourd'hui, elle m'a soufflé en moins d'une heure comment je vais ouvrir le panier à ma star. Est-ce que tu es d'accord, puisque nous sommes associés? Je lui ai dit j'y vois pas les moyens. En réalité, moi, j'ai regardé ça depuis, je disais ça, ça c'est qui? Elle parle de quoi? Après, je me suis dit ah, tu es génial, certainement. Tout à l'heure, elle me dit hey, tu es génial, pardon, ma star, c'est Valère. C'est lui ma source d'inspiration. C'est à lui que je vais remettre le panier. Valère lui disait, oh, tu aurais dû donner un panier à Françoise pour les... En tout cas, Tchénia venait là, il faut le faire. Elle est venue dans mon oreille, il ne savait pas qu'à mes yeux, il a plus de valeur que tous ces gens-là. Alors ce soir, Valère Belias, c'est vrai, je te connais depuis plus de 12 ans. Je ne t'ai jamais dit merci pour quoi que ce soit. Non, pas parce que tu n'as jamais rien fait de positif pour moi, au contraire. Grâce à Valère Belias, j'ai pu voir en moi beaucoup de lumière. Depuis plus de 12 ans, nous marchons ensemble. Aujourd'hui, devant toutes ces personnes, je te dis grandement merci. Et je te dis le mot que j'ai appelé, je te dis très souvent, je t'aime. Parce que vous savez, quand on fait le jeu sur Internet là, on s'est dit bon, on fait seulement. Et si ça peut toucher les gens, tant mieux. Et le fait de voir que des trucs comme ça, les jeux de parler derrière les caméras, peuvent permettre à certains de se démarquer parce que Eva, je la connais un peu plus de 12 ans déjà. Et moi, ça me touche particulièrement. Parce que moi, il m'est connu, j'étais petite, là, j'ai devenu une femme. Moi, il m'est bien tout ça, ça, là, tout.
et que tu puisses prendre de telles initiatives pour moi. C'est moi qui dois te remercier en fait. Parce que c'est ça qui donne du sens à ce qu'on fait. Et une fois de plus, le cadeau aussi, c'est pas pour moi. Parce que comme dit souvent Claudel, moi c'est juste la partie visible de l'iceberg. Tout ce qui est fait là, c'est parce qu'il y a des fous et des folles qui par moment acceptent de travailler avec moi gratuitement. Et moi ce cadeau, moi j'aimerais le dédier à 4 personnes. D'abord, Madame Laja. Parce que quand il a démarré cette aventure, pendant que même il était à côté de moi, si, pensait qu'elle devenait fou, Madame Barra était l'une des seules personnes qui m'a dit non, 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 moi je vois où tu vas aller, donc continuons cela. J'aimerais le dédier à Misha Boubaka. Pourquoi? Parce que c'est un gars avec qui on a eu le foot, on voulait devenir Samuel Eto'o. Mais on a compris que bon, c'est compliqué. Et on va le dédier à Arthur Yumou. Parce que. Parce que quand il est. C'est un Camerounais. Et Chicha, qui a connu lui, qui vous dit que je vais travailler avec vous. Mais il ne veut pas d'argent. Vous comprenez qu'il est fou. J'aimerais dédier ce cadeau à Claudel pour l'inspiration au quotidien, pour les frustrations. Parce que moi, je vais le dire à mon Dieu Vision, moi, je me suis toujours dit que je dois abattre ce gars. Parce que moi, on m'a appris que chaque élève doit tuer son maître. Et moi, mon but, c'est d'abattre Claudel. Merci, Armand. Merci pour tout, pour la loyauté. Parce que ce gars, des fois, il me suivant. Il dit, il est dans une vidéo. J'ai publié comme ça, le gars. Dit, non, c'est pas assez brandé. Il prend, il le fait, il publie. C'est énorme. Et pour finir, elle n'est pas là. Mais j'ai dédié ce cadeau sur toi, Martin. Parce que je pense que sans elle, il y a plein de choses qui n'auraient pas pu être effectuées. Et à vous qui avez décidé de faire confiance à un fou. C'est vrai que ça fait plus de 4 personnes de vos filles. Voilà. Je vous remercie. Et c'est même pas fini parce que apparemment, tu allais toucher les cœurs partout. Mec, où tu as mangé? Donc, Valère, dis quelque chose. Le milliardaire. Oh, le pleur, pas ici. Bonsoir tout le monde, j'espère que. Bonsoir le milliardaire. J'espère que vous avez appris énormément. Si je suis là, c'est pour remettre tout ceci à toute l'équipe à la famille. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais ils ont un impact énorme. Et c'est énorme tout simplement. C'est énorme. Et ça, c'est rien en fait. C'est rien, c'est juste pour marquer ma reconnaissance envers tout ce qu'ils font. Parce que moi, ça m'inspire énormément. Moi, je m'inspire de ce qu'ils font. Des 12 aînés également. Et moi également, je me dis que je cible eux qui savent le faire. Moi, je peux le faire. Et rien que ça, c'est non. Donc, voici que, bon, c'est un gars, tout simplement. Et voilà, c'est pour toute l'équipe à la famille. Et comme. Le gâteau, si. Quelqu'un a dit qu'il va manger tout ça. Seul. Non, mais Fanette, c'est non. Des fois, j'essayais des études avec Fanette parce qu'on a une conférence qu'on doit donner ensemble lundi. Et il me dit, Fanette, dis-moi un peu, pourquoi tu as accepté de donner la conférence avec moi? J'étais surpris, dit. Pourquoi il ne veut pas accepter de donner la conférence avec toi? Si je peux me permettre d'avancer, pour moi j'ai tout gagné. Pourquoi Claudel a accepté de donner la conférence avec moi pas gratuitement. Donc c'est comme il m'a donné là, que moi aussi je suis obligé de donner parce que. Et moi il a dit que
Je le dis petit, mais c'est pas ça. Mais l'enfant d'aujourd'hui, c'est le grand de demain. Dans aujourd'hui, c'est moi qui te donne. Mais tu ne sais pas, ici, c'est trop bizarre. Là, c'est toi qui vas me donner demain. Chloé nous a donné, et c'est nous de l'avoir maintenant. Donc, gars, travaille.